ça pour la avec Haïti dans le pays ici là. Nos dirigeants, oh wow, ils sont trop funny pour moi. Frère, c'est ça bien aimé qui t'a montré aux photos ça. Là, ou capable, il y a divers citoyens qui n'ont de l'eau. Mais avant même, on retourne sous image ça. Gardez dans quel niveau de l'eau a bâillé un citoyen. Et puis gardez le régime banani sous l'eau. Qui ça l'a fait dans l'eau? Est-ce que ce régime banani l'a essayé sauver? Donc, est-ce que c'est tellement citoyen désespéré, bagay la pas bon la caille? La gade bel régime banane sa de l'eau à potale. Li di bal pren sa. L'entre nan de l'eau sale la pe pa ici pour le sauver régime banane. Et kose ou pas fini la gade image sa. Nan sauver régime banane, ou kawe la pe pa ici, c'est espace kote gen bok lak nan mel parce j'en la mate en bas de l'eau al pa kapote régime banane nan encore et de l'eau à fort. Ça veut dire c'est nager ici à nager dans l'eau là. À la traque pour la vie été dans pays ici là. Haïtien pas suspend faire mon étonné non. Et puis vous pla garder peuple haïtien là, il perd du contrôle banane. Perd du contrôle banane complètement. Les pieds banane pas de régime banane encore. Et puis mais bagayo pas petit non frères et sœurs. Vous ka comprendre? Des fois, il y a des actions qui passent, ou à demander, ça qui passe, mon, c'est tellement le désespéré. Il y a des gens qui sont ensemble avec eux, c'est intéressant, absorti, dit, ou pral faire ceci, ou qu'on l'eau. Pas oublier, ou qu'on toujours qu'on l'eau, ou qu'on toujours qu'on nage. Mais, l'aide l'eau à descendre, c'est des bagailles qui sont différents. L'aide l'eau à passer descendre, la vie n'avait qu'un paquet de bagailles, la vie n'avait roche, la vie n'avait pas de bouteille, la vie n'avait pied bois. Et, on ti kadel monte, on ti kadel descend. La vini ensemble avec un paquet de déchets. La vini ensemble avec bout de bois. La vini avec un paquet de bagay, peuple haïtien. Ou ka toujours kon nage, puis pas de wap nage à force de la façon la courir passe descendre, puis gon roche qui te décolle, puis ouais, puis vini prendre un bot tête, pa, et puis tout descend ensemble avant, ou pe di connaissance. Il tout faut, ou mouri. Sobra le café dans moment ça. Bienvenue à chaque fanatique qui déjà connecté sous TAC et FOTAC 509. Mesdames, mademoiselles et messieurs, responsable protection civile, Jerry Chandler, et bien présenté bilan partiel des gars la pluie qui tombait dans le pays à samedi 3 juin 2023. D'après Jerry Chandler, il y a 15 mouns qui perdit la vie, 8 lots disparaissent, 37 375 familles sinistrées, et non seulement ça tout, 13 390 déplacés, 1219 cailles inondées, directeur général Centre Opération Urgence Nationale l'a précisé, chiffre ça yo concerne département l'Ouest, NIP, SIDES, Nord-Ouest et Plateau Central. Mais dans département l'Ouest, c'est lui-même qui plus touché d'après Jerry Chadley qui annonçait centre l'a activé pour porter support à la population. En coutel, dans micro, TAC 609. Et nous avons un bilan exhaustif de ça que l'inondation avec l'appui qui t'a fait pendant les dernières 24 heures à côté. Malheureusement, nous, jusqu'à présent, nous dénombrons 15 décès, 8 disparus, 7475 familles, soit 37075 mounes qui sinistrés, 1219 cailles qui inondées, 13390 mounes qui déplacés dans le département l'Ouest, département NIP, département Sud-Est, département Nord-Ouest et Plateau Central. Et nous, malheureusement, dans tout ça qui, dans le cortège catastrophe ça qui vivait là, département l'Ouest, c'est lui-même qui pi frappé. Et nous avons pensé spécial pour certaines régions, certaines communes et certaines localités, comme Merger, Gressier, Léogane, Fonverette, Cité Soleil, Tabor, etc. Côté que l'impact là encore plus violent que l'autre côté. Yo. Mais l'impact là quand même tout aussi violent dans zone dans le département Sud-Est. Ou bien département nord-ouest, particulièrement ville Port-de-Paix, qui en bat la pluie lui-même depuis mardi passé. Et je ne dis à Kounan a activé, en bas et directive Premier ministre. Toute équipe qui fait partie de Kounan, à savoir
technicien ministère sectoriel yo ak chou la houlette de ministre vini nan kounan depuis hier nous sous la chelette n'ap travail jodi matin nous travail pendant tout toute matinée ce qui fait que journée là kounan là nous gagne des mesures spéciales que nous prend et que nous va mettre à terre pour nous capables, selon l'instruction du Premier ministre, de arriver sous victime le plus vite que possible. Besoin qui gagne, c'est des besoins que nous comprenons certainement, qui c'est de l'eau de boisson, de l'eau potable. Et nous avons des besoins en termes d'hygiène, nous avons des besoins en termes d'aliments, mais nous avons des besoins en termes de, ça n'est pas abri, pas abri dans le sens classique, mais abri dans le sens que, comment nous aider les gens, nettoyer les cailloux, déblayer et retourner en dedans la caillou pour la vie reprendre, pour nous recommencer pour chiner comme ça doit. Donc, je vous dis, on a organisé nous avec justement, et en d'un coup, nous avons collecté information, c'est-à-dire que nous avons reçu information toujours, ce qui fait que le bilan, je te présente là, son bilan qui est provisoire, libre à l'aide pour l'évoluer, nous allons probablement des nouveaux chiffres, que nous avons fait mise à jour et que nous avons continué de communiquer et que nous avons invité toute population à continuer de suivre sous station ça, côté que nous avons gardé conférence de presse. Donc, automatiquement que l'information recevoir, nous acheminer au bail différents secteurs qui concernent nous, pour nous capables de prendre des décisions et nous organiser nous, pour nous capables de faire des préparations, des préparatifs et des actions là déjà, pour nous capables de commencer pour des réponses d'un côté qui pi atteigne. Et en termes d'action, je nous dis, nous voulons certainement porter réponse à la population avec bien, avec un train, avec ressources qui adressées à toute demande ça que nous sommes adressés là. Mais tout parallèlement, nous voulons renforcer la capacité avec présence volontaire pour l'action civile qui eux-mêmes pour aller souterrain pour justement accompagner la population et effectuer et accompagner l'institution et effectuer justement et distribution par rapport à besoin qui vient là. Et en termes de priorité, parce que tellement de priorité et tellement d'urgence, toutes les bagages sont urgences. Nous voulons vraiment adresser, déplacer, les gens qui étaient déjà déplacés, qui venaient partir en plus, donc nous connaissons que vignes abscés sous nous, des gens qui étaient quittés la caillou, qui allaient en abri temporaire ou bien qui allaient à l'autre famille. Donc, qui connaît à la retrouver inondé, donc nous voulons adresser eux. Nous voulons adresser l'hôpital avec centre de santé, particulièrement dans la zone Gressier, dans la zone Léogane et certains là-dedans qui sont dans le sud-est, qui inondés et que nous voulons pour retourner fonctionnel le plus vite que possible pour continuer à faire soin. Nous, on fassons tout pour nous continuer à renforcer tout l'autre centre de santé pour nous prévenir flambé choléra qui a gagné, parce que nous toujours connaît que là, nous avons une situation de l'eau, nous toujours des maladies hydriques qui viennent suivre de ça. Et pour faire un court et résumé, vraiment porter réponse à la population vulnérable dans une zone qui est durement frappée. Donc, il y a tout un plan qui mettait sous pied. J'en ouvre à nous, justement, tout le ministère sectoriel là, la Croix-Rouge à bord ensemble avec nous. Tout partenaire, nous, que ce soit dans les Nations Unies, que ce soit dans l'organisation non gouvernementale internationale et ou locale, yo à bord ensemble avec nous. Yo vini pour yo vini nous, mais qui ça yo gagne dans Jacoutio. On fait ça pour nous chita ensemble pour nous voir comment nous mettons sous ça yo à terre. Pour nous mener à aller et porter aux populations. Et j'aime dire, l'action va commencer dès après-midi, fin journée ça, et certainement, et à continuer toute semaine en façon pour nous capables, encore sous instruction pour le ministre, j'en te dis nous en réunion stratégique, nous, porter réponse le plus vite que possible by moun qui pidjouman a atteint. N'a pas dit un remerciement spécial à tout le monde qui est autour de nous. Moi, je veux faire un coup de chapeau particulier pour la police nationale qui est avec nous et que Donna Pouma, qui est présent, directeur général là, qui a aidé nous à élaborer des plans de sécurité pour permettre nous acheminer bien au côté pour y aller. Bien entendu, je ne permets pas de dévoiler les plans sérieux puisque c'est des plans stratégiques, mais il y a des discussions qui sont en cours pour que même Jean-Louis de Fel, le 14 août, nous capables, malgré la situation sécuritaire qui est difficile là, acheminer bien et formuler réponse là by population. Donc, pour finir, on m'a dit nous tout que permanence l'a établi, Kounan campé, protection civile avec tout partenaire lié au Lila et permanence l'a établi, on a continué le travail pour nous capables justement porter secours. On a demandé tout le monde continuer à être branché, coûter toute consigne que toute autorité n'a pas manqué, relayer sous station côté que nous avons suivi la conférence de presse. On m'a dit nous merci et m'a tout annoncé nous que mise à jour sous bilan a fait à soir à 7h du soir. On m'a dit nous merci pour attention nous et on a bien pour nous reparler encore.
Merci. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou tap suivre, responsable, protection civile, là, qui c'est Jerry Chandler. Faut que moi dis, ensemble, cyclone qui annonçait qu'ap gué pou passer dans le pays, ya, la gué gros la peine, nan mitan population qu'ap vive dans la région Balatibonite, qu'ap fait face à yon crise humanitaire, ak insécurité, toute qualité qu'ap taye mandat. Faut que moi dis, ou dans le département, habitant yon mandé pour responsable, MTP, PTC ak protection civile agit avant cyclone yo fait dégâts. Désir Venesse ti Rivière la Tibonite a ban nou plus détails sous situation Vallée la Tibonite après gros la pluie qui t'a tombé sous pays a pendant week-end nan. Mesdames, mademoiselles et messieurs. Saison cyclonique qui annoncé pour Anéa, pas pour bonne nouvelle pour habitants qui vivent dans Tirivière la Tibonite à Komiliankou. Premier la pluie qui tombait pour saison 1, plusieurs localités inondées entre communes Tirivière la Tibonite à Komiliankou. Habitants qui vivent dans la localité païenne dans Komiliankou, mandé à responsable protection civile à la mairie pour penser à projet kirage canalio pour empêcher yal konnen plus moment difficile en bas cyclone qui annoncé yo parce que premier la pluie la cause qui était dormi à la belle étoile parce que caillou était envahi en bas de l'eau en l'autre bord bandi bas gangrif nan sa vient yo k'ap fait tentative pour délocaliser qui était base yo après plusieurs attaques qui ont subi par population civile dans cette commune dans département la Tibonite là à coalition soldats paysans yo qui gen ti mépris dans tête li et bien bandi yo prend direction Sandville ti Rivière la Tibonite côté y a fait en pile pression sous population civile qui dans zone nan pour petit 5 moun victimes en bas gros pression bandi bas gangrif yo qui mandé moun sa yo gros l'argent pour rete dans propre kay qui ont été construit ensemble 5 moun sa yo lagué dans gros difficulté côté y a couru pour quitter kay yo pour cob yo mandé moun yo yo fait population en fait quoi que ou poko jam fait face avec comme ça si malheureux k'ap badlo pour faire ben bandi yo mandé 50 à 60 000 dollars à 30 000 dollars pour yo payer pour yo rete dans propre kay qui ont été construit population mandé à responsable la police dans département pour prendre disposition pour permettre que la police retourne dans commune Tirivière la Tibonite qui ont été abandonné depuis 26 janvier 2023 moi c'est Désir Venesse Tirivière la Tibonite c'était Crète à Pierrot TAC 509. Merci, Venesse. Mesdames, mademoiselles et messieurs, direction protection civile, tant meilleur série de formations dans diverses écoles, dans Port-au-Prince, dans l'idée pour élèves capables de connaître qui gens pour y réagir, les catastrophes naturelles, et pour y aider la communauté à évoluer. Donc, formation ça concerne élèves secondaires dans l'école publique et privée, d'après responsable protection civile, là, Jerry Chandler. Eh bien, qui entendent élargir cadre là côté yo prévoit former enseignant yo tout pour yo capable transmettre formation by élève. Pour plus de détails, en nous tendel ensemble peuple haïtien. Bon, nous c'est pas une formation pour se connecter là seulement, c'est une formation pour la vie. Jean Wellan, nous travaillons en pile avec l'école, nous travaillons en pile avec Timoun, en façon pour nous capable prendre réflexe pour gagner qui geste pour faire, qui gens pour réagir par rapport à risque à désastre qui présenté dans communauté ou bien la caillou. Donc li activité ça a ciblé non seulement préparation par rapport à la saison cyclonique, mais préparation en général. Nous apprenons comment pour combattre du feu, nous apprenons comment pour gérer les gens qui sont blessés, nous apprenons comment pour faire bricolage. Donc nous apprenons des gestes de base. En façon pour l'autre, si les gens sont plus grands, ils tournent sans relais des champions de protection civile. Ils sont capables non seulement de faire pour eux-mêmes, faire avec la famille, donc gérer les gens qui sont la caillou, mais les gens qui tout monde qui autour de eux, ils sont capables de support, de faire aide si la situation est présente. Donc là, nous faisons pari ça pour nous favoriser la préparation et faciliter que justement qu'on gagne plus de monde et plus de monde qui parle. Ciblage là fait sur l'école et sur toutes plusieurs écoles. Nous faisons sur l'école privée, nous faisons sur l'école congréganiste, nous faisons sur l'école publique. Okay? Nous travaillons surtout pour le moment avec élèves secondaires. Secondaires et surtout élèves qui parlent fini. En façon pour Jean Doulan, nous avons commencé déjà à planter graines dans une série de petits monde qui déjà parlent. Maintenant, nous allons aller à JICAD là et nous allons former des professeurs qui ont même à continuer à faire le même travail ça que nous avons fait. Travail pratique ça pour eux même yon capable apprendre Timoun Piti. Pas oublier que pour travailler Timoun Piti, il demande qu'on gagne une pédagogie, une façon pour capable enseigner que nous pas forcément gagner. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec des Timoun qui pi aptes et qui pi paré à travers la méthodologie que nous gagnons. Mais bien c'est arriver faire pour tout Timoun dans tout niveau, arriver même dans le niveau universitaire pour qu'on ait un maximum de jeunes qui formés et qui connaissent ça pour faire dans la situation des enfants. Jusqu'à présent, accueil là extraordinaire, nous sommes très intéressés. Timoun yon joue un cabouel là, toute partie
participé, yo content, yo remé li et là qu'on y a là nous gagner des feedback côté que yo mandé nous pour nous retourner pour nous faire activité encore avec eux pour nous continuer. Même gens tout, même gens qu'on nous faire activité pratique avec eux, nous gagner ça relé cahier bon réflexe ça que nous baillo, on cahier ordinaire pour le travail qui gagne toutes mes consignes avec toute action ça qu'on a faire avec eux en pratique là. Donc yo gagne toute partie théorique là. Donc si ça intéresse yo, yo remé et là qu'on y a là bu nous c'est faire avec le plus de l'école que possible, pas seulement dans la capitale là mais tout dans la province là. Là nous avons une centaine de l'école que nous allons viser sous péninsule sud là, OK, et nous allons former des professeurs, je ne dois pas l'aider nous faire travail là. Donc nous espérons que pendant vacances on a quand d'été on a pas continuer et pour année scolaire prochaine on a pas faire un pile l'autre l'école et avancer dans la dynamique ça. C'est des activités qui existaient déjà, c'est activités ça les protections avant littéralement vendredi de la protection civile. Là qu'on est nous vienne la JICAD là et nous faire la jambe avec plus l'école et nous pas faire forcément vendredi seulement. Donc son activité qui existait déjà, nous juste qu'on est là après les mettre dans l'autre vitesse, dans l'autre niveau et n'a fait là en l'autre vitesse. N'a fait là avec un pile engouement jeune dire sous l'école yo. N'a essayé jeune de dit d'aller à la bien au maximum de l'école que nous impliquer pour nous gagner au maximum de petits monde qui formé pour que justement jeune dire lors une catastrophe qui arrive, petits monde yo même tout yo participer et yo protéger tête yo et protéger monde qui autour de yo. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, toujours dans la Tibonite, plusieurs localités dans la commune de Rivière, la Tibonite, à Clignancourt, qu'on est gros moment difficile après premier la pluie qui tombait pour saison cyclonique 2023. Habitants, yo, mandé pour autorité, yo, pressé, faire route pour de l'eau la pluie, yo, capable de couler pour limiter des dégâts. Désir Venesse, encore une autre fois, dans Miko, TAC 509. Pour la pluie qui tape tombé sous tout pays a pas épargné région Balatibonite là tant que commune Liancourt, Tirivière ak Verrette. Plusieurs cailles étaient dans situation difficile, de l'eau était envahi yo à cause kirage qui pas fait dans drain ak canal secondaire yo. Population k'ap vive dans ensemble localité yo mandé ak responsable dans ministère travaux publics pour penser ak situation yo et même au DVA qui au niveau Valia pour permettre que canal yo kire. Yo mandé ak responsable dans protection civile yo pour agir pi bon pour ka empêcher beaucoup plus moun pal victime dans situation que cyclone yo pral gagner pour yo causer dans jou ki ap vini yo. Malgré la pli ap tombe, situation moun yo ap vin pi difficile et crise humanitaire yo pral augmenter en plus à cause phénomène insécurité ya ki acheté département ak région Balatibonite pour l'agent. Ça pas empêché monsieur Basgangrif ak Tigrif yo continuer ap faire exaction malgré moment cyclonique là. Samedi matin bien bonnet yo pointé sous tronçon route Liancourt Mibalea dans localité Morodoué, yo te déjà kidnappé plusieurs moun. C'est grâce ak vigilance force résistance dans localité Chandel toujours dans commune Liancourt qui te déplacé vin faire résistance ak bandi Tigrif ak Gangrif yo qui la cause moun sa yo retourner la caillou et machine que bandi ba Tigrif ak Gangrif yo te gen tan prend récupérer. Population a posé question qui ça a lui fait pour joindre support la police qui abandonné ensemble des localités à communauté sa yo depuis plus passé 7 à 8 mois. Population en fait quoi yo paré pour accompagner la police pour résoudre crise si là dans même journée force résistance dans Chandel commune Liancourt mettez la patte sous Olvens alias Zoreille qui c'est un chauffeur camion qui assure transport Port-au-Prince la Tibonite ak Elias Pignas à la Tibonite monsieur yo croisé à travers machine nan trois boîtes qui te gagné en bon quantité cartouche selon membre coalition yo c'est plus passé 3000 cartouches Olvens alias Zoreille tapoté pour général Lixon qui c'est chef gang ça vient population en fait quoi si cartouche gen chance pour sortir Port-au-Prince et gen temps rentrer la Tibonite c'est pratiquement complot qui a continué qui ça qui empêcher la police fait checkpoint sont ensemble machine cap quitter capitale là pour rentrer dans la Tibonite pendant yo connaît bandi bas gangrif yo gagne population qui en face yo et yo en faiblesse munition y a pas arrangé tout gens pour faire munition vinn joine yo population en fait quoi yo pas dormi y a continué goumen dans tout niveau pour empêcher balle rentrer dans commune Tirivière la Tibonite à Clignancourt et Verrette pour gangrif suspend prend force pour terroriser population hein. Moi c'est Désir Venesse Tirivière la Tibonite c'était Crète à Pierrot pour TAC 509. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans un rapport, li mette dehors réseau national cap défend droit moun nan pays d'Haïti, RNDDH attire attention autorité judiciaire yo sous situation divers commissariats nan Port-au-Prince qui transformé en centre détention. Yo la trié moun la police arrêté empilé takou sardine nan Gadavi yo, espace Gadavi piti
et puis yon nan mauvais état d'après Marie-Rosie Auguste du Sénat. Eh bien, qui mande la justice prend responsabilité nan dossier ça? Marie-Rose, peuple haïtien, te parle nan micro tak 509 en outandil. Depuis quelque temps, le RNDDH visite commissariat et sous-commissariat dans le département de l'Ouest là particulièrement. Nous constatons que un pile dans l'espace ça yo converti en prison et que autorité yo kembe moun yo dans des conditions qui totalement inacceptables. Mais situation vin plus grave dans 6 parmi poste police que RNDDH visite pendant mois de mai 2023 et nous est important pour nous partager ça avec l'opinion publique. Dans le commissariat à Port-au-Prince, dans la date 23 mai 2023, nous jouons 92 personnes, parmi eux 38 femmes et 54 garçons, qui ont été dans deux petites cellules rétention sous compte paquet Port-au-Prince et SDPJ. Gen nan yo ki genyen yon l'année nan kondisyon sa. Lot yo genyen an pil mwa kon sa. Jodi a, situation tellement grave nan commissariat Port-au-Prince lan, ke agent ki affecté la yo, autorise kek nan retenu yo pou yo passe jounen nan bureau chef de poste la. Nan nuit, se nan menm ti bureau sa ke yo autorise kek nan medam yo pou yo dormi. Nan sou commissariat Kazo, nou jwenn 6 fòm que autorité yo kembe depuis plus passé 3 mois nan yon ti cellule parce que yo pa ka conduire yo nan prison. Nan commissariat Delma 33, nou jwenn agent la police ki en isolement. Autorité yo kembe yo dans des cellules qui tout collé avec des salles de bain que yo converti en décharge pour jeter fatra. Dans commissariat Pointe-à-Raquette, nous jouons 5 garçons en rétention. Gen yon ki la depuis 4 mois, l'autre yo genye plus passé yon mois en rétention. Dans commissariat Tabor, nous jouons 48 garçons sous compte DCPJ, SDPJ avec paquet quoi des bouquets. Dans commissariat Ansagalè, nous jouons 6 moun parmi yo yon femme ak 5 garçons. Monsieur yo genye entre 6 à 7 mois en rétention alors que dame nan déjà passé 4 mois en rétention. Visite monitoring que nous fait pendant mois de mai à tout permet nous comprendre que gen nan moun sa yo qui déjà jugé même gen yon qui nan commissariat Tabor lan qui était condamné à 3 mois prison pour voie de fait et qui était doué lagué depuis avril 2023 nan date 30 mai 2023 li était là toujours. Nous apprenons tout que gagnent nan yo substitut tande yo déjà mais yo pa ko emet ordre de dépôt pour yo alors que yo kembe yo nan commissariat yo sans que retenu yo même yo pa konnen pour qui ça. Nous apprenons que gagnent nan mesdames yo particulièrement qui gagnent tout ordre de dépôt qui emet contre yo mais que pour question sécurité yo pa capable mener yo nan prison. Visite yo permet nous ouais par contre que tout espace ça yo que nous di là yo yo sale yo piti yo gen mauvaise odeur li fait chaud là dedans yo moun yo pa ka respirer pour yo dormi c'est akrobasi que yo a fait mare dra fè amak ou bien mare koyo nan barrière cellulio et latrier moun yo pa gen de l'eau au soir yo mal pour yo joindre de l'eau pour yo boire pour yo servi yo fait besoin yo en denti cellulio devant tout moun nan galon au soir nan assiette à emporter dans l'indignité la plus totale. Ça relé kembe moun nan kondisyon inhumaine et dégradant. À la traka pour la vekayte nan peyi si la. Plusieurs centaines citoyens foulé béton nan commune Monwi week-end passé a. Objectif mouvement ça, c'était pour mande la justice ak la police nan Saint-Marc libéré Jean Julio. N'a rappelé police nan Saint-Marc te arrêté pour présumé implication nan la mort maître André Charleus Daniel depuis Saint-Marc. Mesdames, mademoiselles et messieurs, pour plus détails. Je dis à moi, c'est ce d'appareil pour Mandy, qui va t'abjurer. Jamais va t'abjurer. C'est bien, ça m'a pas donné tout qui l'a net. Enlevez mes moules. Enlevez mes moules. Enlevez mes moules. Yo, c'était plusieurs centaines de citoyens dans diverses zones de la commune Monwi, délégué Pierre Payen, qui manifestaient dans l'idée pour demander autorité la justice libérer Jean Julio. N'a pas rappelé la police dans le niveau Saint-Marc t'est arrêté pour présumer assassin dans la mort de M. André Chaléus. Dans l'occasion, divers citoyens qui étaient prêts la parole, sitôt organisation Femmes Vaillant pour développement commune Monwi déclaré Jean Julio sans notable, li pas impliqué dans la mort de M. André Chaléus. Justice pour Julio, demande libération pour Julio, délégué par qui donc nous pas chambre. C'est ça nous demander. Justice pour demander pour Julio. Donc pas quoi Julio dans question tout le monde. Non, non. Julio pas chambre parce que nous tout le monde, mais pas chambre tout le monde. Justice pour Julio. Justice pour Julio.
yo, justice, justice pour Julio. C'est ça nous demandons. Côté magistrat commune Montouillac était présent pendant toute parcours manifestation hein mandé autorité la justice pressé libération Jean Julio. Julio c'est un monsieur moi levé ici moi joindre ces chapeaux dans la fête c'est dans médecine la baie moun et santé. Julio pas bandit il pas bandit elle pas jamais bandit. La police arrête tout le monde, il 50% coupable, 50% innocent. Ça Julioye. Ça Julioye. Attendez. Puisque qu'on enquête qu'a vienne mener. Enquête qu'a vienne mener c'est avec population. C'est pour population. Qui sa population dit Julioye? Qui sa population dit Julioye? Non mais la justice c'est mal prend note. Parce que la travail pour population contre qui est-ce qui bandit yo. Julio son monde qui malade, qui malade dans pied, il pas qu'à prendre chalet sa dans prison. Nous devons souligner pendant tout parcours sorti commune Montoui rivé Pierre Payen, c'était pendant 4 dans mai Mayo côté divers citoyens dans zone ça yo t'a demandé libération Jean Julio Daniel Danio Semak TAC 509. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, t'attendez un groupe manifestant depuis la commune Montoui qui a demandé justice pour Julio. Et ça qui étonne, magistrat, là. À la traque pour la vécaïté dans le pays ici, là. Président syndicat employé ministère éducation nationale, Gary Lapierre, dénoncé à toute force li, choix Marie-Daniel pour aller représenter secteur éducatif dans le KEP. Syndicaliste l'a fait connaître, li gen plus passé 20 années dans le secteur éducatif là pourtant c'est dans la presse li tant des nouvelles ça bon ça qui arrive en vacances tu dois comprendre hein? Donc Gary Lapierre dit pendant cause nomination ti groupe chita parler dans ti coin donc mesdames mademoiselles et messieurs représentants secteur a li déclaré pas trop longtemps donc il gain pour que yo prend diverses décisions pour plus de détails en outre Gary Lapierre qui était dans micro TAC 509. Je pense que c'est important et je m'attends des informations concernant des questions et secteur syndical là, quoi, et concernant des Marie Daniel pour représenter nous dans le groupe NCP là. Et moi, c'est la, dans la presse que je m'attends des noms. Et je pense que par rapport avec les gens qui fonctionnent en Haïti, et c'est des groupes qui mettent des têtes ensemble. Je sorti un bagage, il dit secteur. Parce que je pense que si secteur a fait un bagage, au moins la font un bagage large, la consulter ensemble des gens qui sont dans le secteur. Moi personnellement, j'aime tout là, c'est dans la presse qui me donne, le monde ne pas consulter, en plus le monde ne pas consulter. Et nous-mêmes, nous avons habitué à participer dans le choix et le monde qui va aller dans le conseil électoral provisoire. Et moi, je pense que c'est une aberration et dénoncer ça. Et je pense que si un bagage comme ça fait, je pense que le secteur, même si tout le monde pas besoin qu'il y ait une limite sur tout le. Et question, dans le pays, même pensé qu'il y a des gens qui ont des organisations qui sont représentatives dans le secteur, je pense que c'est pour les consulter, au lieu que c'est des grands gens qui sont dans le coin qui disent choisir un monde pour les représenter. Connaître citoyen là. Jamais, je ne vais pas connaître. C'est dans la presse qui me donne des noms, je ne vais pas connaître. Par contre, c'est syndicalisé, mais il y a qui syndicalisé. Bon, nous même nous dans le syndicat éducation. À la traque, vous l'avez qu'à être dans le pays ici, ça veut dire, dans le syndicat éducation, et puis, autant de gens qui ne sont pas connus. Il était nous l'autre école, il était nous l'autre école, aussi simple que ça. Non, il y a une plateforme qui est vraiment large.
pense que au niveau plateforme là tout était bon. Il y a une consultation qui est faite avec un paquet de syndicats, paquet d'autres organisations qui dans le secteur A et au défroisi et madame Rachel Lucin qui moi-même j'ai participé dans trois ça. Et CDSP, un paquet d'autres organisations qui dans le secteur A qui ont participé dans trois et moi-même j'ai participé là-dedans. Ça mon grand étonnement d'entendre et il y a un groupe de monde dit yo trois ont l'autre monde parce que pense que même qui pas bien unanimité tout le monde pas capable de mettre d'accord sur un seul point dans le secteur, même parce qu'au moins il faut qu'on minimum que les organisations de représentatives, au moins des critères supposés consulter. Et si chaque grand monde doit avoir un grand monde, chaque monde a pour un grand monde, on va penser ça, c'est une bonne décision. Au moins qu'il a concerté, les gens font concertation, un paquet de syndicats réunis, nous choisissons un monde. Ça veut dire ça, qui est représentatif. C'est pas un grand monde, un grand 5 qui est choisi un monde, c'est que les voyons un monde, un monde, choisir un monde dans le secteur. Moi personnellement, j'ai milité, 20 ans j'ai milité dans le secteur, je ne sais pas. Je pense qu'ils sont aberrationnés et nous dénoncer ça. Et nous pensons que si mon bagage sérieux qu'a fait vrai, il faut que nous tenions compte de l'ensemble des gens qui dans ce secteur-là, et un bagage qui est représentatif, et un monde qui au-dessus de toute discussion. Pour ça, nous pensons que nous avons besoin de gens qui prennent lancer le pays, qui prennent le gouvernement, qui prennent faire représenter le pays dans la situation du pays à décrire là, pour que nous lançons le monde qui représente. À la traque pour la vecaïté dans le pays ici là. Université américaine Sciences Modernes d'Haïti organise 19e édition week-end scientifique. Yo. Année ça, sorti premier pour arriver 3 juin 2023 dans la capitale haïtienne. Yon activité responsable yo dans l'institution ça réalisé chaque année dans l'idée pour permettre pour mettre en valeur et puis présenter à grand public là ensemble zèv à compétences étudiants une asmoyo gagné qui capable contribuer dans développement pays d'Haïti. Jacques Smith a présenté un reportage sous dossier Sila. L'université espace de l'innovation scientifique pour une société prospère, c'est sous thème ça Université américaine Sciences Modernes a réalisé 19e édition week-end scientifique yo. Activité ça a déroulé pendant 3 jours, sorti premier, privé 3 juin 2023, dans une locale institution ça qui trouve zone Delma 65, département l'Ouest pays d'Haïti. Pendant 3 jours ça yo, plusieurs étudiants finissant dans différents départements dans l'université ça, étalé travail réalisé pendant cycle d'étudio. Initiative ça, faite dans l'idée pour présenter PIA, compétences et expérience étudiants yo gagné dans plusieurs domaines différents. Selon rectrice UNAS MOA, Dr. Floris Dessous. Pour nous faire public, là, connaît que et nous te gagné, nous continuons à gagner 19e édition week-end scientifique nous dans UNASMO. Et pour monde qui curieux qui t'a remé connaît qui ça week-end scientifique là hier, week-end scientifique est un espace où les étudiants sont à l'œuvre et après avoir passé 4 ans ou bien 5 ans ou bien 2 ans d'études, c'est opportunité pour yo réfléchir, penser et puis faire application des théories que yo t'ai apprendre pendant toute année ça et faire projection de yon lot Haïti. Docteur Floris, qui principale mission université UNASMO dans société haïtienne nan? Et objectif étudiant yo c'est peut-être capable en mesure pour yo mettre connaissances et compétences à disposition de pays hein? Et c'est occasion pour nous fierté c'est l'allié parce que je vois dans mes étudiants et avec mes étudiants l'espoir d'une autre Haïti est là. La tête pensante est là, la réflexion est là, la méthode de faire est là, c'est peut-être seulement un problème de leadership qui manquait nous pour nous faire mettre tout ça, nous connaître en valeur. Rectrice là, pas de manquer mot pour faire éloge pour étudiants UNASMO pour compétences, intelligence et détermination, li retrouver la caille jeune professionnelle si la yo, d'après lui-même qui capable de contribuer dans bon avancement pays d'Haïti. Il m'a profité pour me dire tout étudiant mieux que moi fier de yo parce que ils ont passé des nuits, des jours pour préparer ce qu'ils ont préparé et nous inviter et public là Haïti en général à rejoindre nous à penser avec nous de yon lot Haïti de telle sorte que dans 15 ans dans 10 ans nous pouvons léguer quelque chose à la génération future. N'a pas rappelé Université américaine Sciences Modernes UNASMO gen 25 l'année existence dans le pays d'Haïti depuis la formé jeune professionnel dans la société. Jacques Smith, TAC 509.
Mesdames, mademoiselles et messieurs, il y a une délégation qui a plusieurs citoyens à quelques anciens autorités communes Kafou, tant ancien député 50e législatif avec Jacques Beauville, avec ancien magistrat Yvron Jérôme, terrain une visite Sipo Koutouazi avec solidarité, côté au fait appel à l'État central, yo estimé ça qui ka permet Kafou pas tomber dans difficulté même gens ensemble avec plusieurs autres zones. Eh bien, dans la région métropolitaine, nous connaissons un paquet de zones peuple haïtien, c'est gang cap dirigé. Eh bien, frères et sœurs bien-aimés, pour ça qui gagne ah ouais ensemble avec dossier insécurité, nous connaissons dans jour passé là, Kafou saute connaît un mauvais moment. Entendez dirigeant yo dans micro la presse. C'est comme ça yo tap débarqué. C'est Chris là. Maintenant, qui s'allie? Nous sommes Chita en canal de communication. Mm-hmm. Ok? D'ailleurs, Chita nous fait avec la police. Tale, je ne comprends pas. Nous dit Chris là, ça qui passe Chris là. Reprends pour moi, magistrat. Ah, député, sorry. Avec Bandi, il n'y a jamais eu de négociation, il n'y a jamais eu de rencontre. Okay? Il n'y a jamais eu de rencontre entre nous-mêmes avec Chef Tibois, qui c'est Chris là. Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire, magistrat et député? Je ne comprends pas de jamais de rencontre entre nous et chef tel. Comment chef tel côté? Je ne comprends rien là. Comment chef tel? Comment le fait chef? Chef qui ça? Chef qui ça, s'il vous plaît, député? Chef qui ça? Oh, les dirigeants là-haut. Maintenant, qui s'allie? Nous sommes Chita en canal de communication. Ok? D'ailleurs, Chita nous fait avec la police. Nous travaillons sur un canal de communication qui permet que les camarades là retirent les troupes. Les camarades retirent les gens là-haut. Ambiance de détention, bien tension d'affrontement avec la police, ils retirent et prennent des engagements. Maintenant, avait dit ça Chris l'a fait, nous pas négocier mais des canal de communication. Un petit canal comme ça papa ici comme ça. Petit canal pour nager. Et puis fait que chef l'a retiré mon ni dans la rue. On allait. Néanmoins c'est un bail qui soit changer gens ça terre mercredi, c'est un bail qui était plus menaçant et qui t'a créé plus peur. Mm-hmm. Donc nous arrivons dans phase ça. Maintenant garantie en kounia par rapport à la population pour être une force, c'est ça fait continuer à réitérer, c'est renforcer la police pour que la police préventive qui fait, ok, et qui pourra le bail, une persuasion à partir de présence de la police pour que l'on connaît que, un, depuis ou pas policier ou en civil ou pas droit gen zam nan mon encore moins zam manche. Mm-hmm. Ça veut dire automatiquement la police présente dans la rue, c'est lui qui doit présent avec zam manche long. Donc, aucun particulier pas gagné pour les armes illégales, etc., l'a circulé. Donc, à partir de ça, produit fort la communauté, en fait, l'État haïtien au niveau, au plus haut niveau, renforcé. Et puis, deuxièmement, nous-mêmes, communauté, nous en continué, façon par nous, gourmet dans l'intérêt de la collectivité et au renforcement de la police nationale d'Haïti. Si parle, et capturer le pays, capturer le commun, et capturer qui a toute responsabilité de sécurité publique. Et son visite de solidarité tout par le fait que dans le cadre de la situation, les bails ont peur, les bails ont panique générale, ils mettaient une vie ordinaire qui était dans la vie de Moun Kafou. Et par rapport à l'effort que la police a fait, et situation ça a été vite mettre commune en situation. Et nous-mêmes, nous avons fait que, en tant que société civile, en tant que monde qui vit dans la commune, qui gagne et sens de responsabilité, nous entraînons logique, non seulement de solidarité à la police, puisque c'est lui-même qui est la principale force régulière, okay? Et qui pour bail opportunité tout pour que nous fassions appel à intensification, que c'est par renforcement de la police dans Kafou parce que c'est un très mauvais signe, que c'est par la justice qui doit faire travail parce que chaque genre de bail ça produit son faiblesse pour l'institution. Donc nous-mêmes, nous ne pas voulons Kafou faibli, nous ne pas voulons l'institution faibli, nous prenons des initiatives et dans l'initiative ça vient faire que
Jodi, hein, nous venons rendre une visite de support et de solidarité à la police et faire appel à l'État central. Nous dit, ça arrive l'autre côté, nous ne voulons pas arriver illicite dans le CAF. C'est renforcer la police, hein, c'est la justice prend responsabilité, punir et poursuivre les gens pour poursuivre à partir du fait que, encore une fois, flagrant est évident. Maintenant, il y a des bagages qui t'a présenté. Nous, en tant que société, la police n'a pas gagné pour négocier avec mon armée de bras balancés, mais autant que nous avons évité une situation, nous faisons effort pour éviter, pour tout le monde rentrer dans le périmètre et bailler la police là où pour le faire travailler, nous faisons et je dis à nous. Comment pour bandit à rentrer dans le périmètre? Bandit doit gagner périmètre, mais c'est quoi l'histoire, député? Bandit rentre dans le périmètre et puis bailler la police là où pour le faire. Frère Maxime Kapkoutem, insolite nous pour journée jodi a. Nous voilà, c'est première fois mon action comme ça. On m'a mouri. Nèg gab li discours a venir touyer moi encore peuple haïtien. Est-ce qu'on comprend ça nous là? On m'a qui mouri, mort red. Moun qui vini cap li comme relé sa biographie. Eh bien, li vinil touyer moun encore. On garde action ça. Il débute ses études primaires dans une école nationale de Souchotte. Où sérieux garçon? Depuis sous drap qui bosse qu'elle a mort à touyer moi encore. Eh ouais, malgré nan sekay papa ici ou pas fouti à l'ampè non dans pays d'Haïti. Quand on pral passer pour à l'ampè. Ou couche nan sek et pour qu'on l'autre citoyen qui vini décider touyo met sous l'encore. Sami Tenny par son père et sa mère. La mère de la monsieur. La mère de la monsieur. Ok. Pas de problème, garçon. Non, ouais, papa, ici. Si mourir, puis go moun qui vient nous discours, comme ça, franchement, m'a levé tout passé pour me faire dans ce cas-là. M'a levé, papa, ici. Non, pas casse, m'a cassé coup. Hey, non, garçon, reprends discours. On allez, reprends discours. Il débute ses études primaires dans une école nationale de Souchotte. Tenu par son père et sa mère. La mère de la monsieur, il lui occupe le devoir de la correction. Ça veut dire que moun ki chita, ça c'est mon commandant. Avec des gens qui chita cap, des gens qui chita cap tant des citoyens ça cap ils disent quoi, nous pas tout arrêter, nous pas tout arrêter monsieur, oh non. Le souci du travail bien fait. Quoi me souvle m'tap arrêter monsieur m'tap des lictouye moun nan, parce qu'on pas qu'à venir pour faire action comme ça non l'amour. Et l'amour de la perfection pour son fils. Alors tracabou la avec Haïti ou n'avez ici là.